Ah. Plus ça. Même problème. On s'en sort mieux qu'hier. J'ai pas fait gaffe à sa TV en plus. Et pareil, comment ça va? Désolé. Noblesse impériale. Non. Lui. C'est drôle de... Ok, celui de défense. Et alors? Quand même, Mmh.
Il sera plus. Redu. De faire. Bon, l'idée.
casser quelques-uns. Et... toi aussi. Plus ça va. Lui peut en plus. Du bureau. Ah, je t'entends. J'ai pas joué à ce coup-là. J'ai pas encore déjà oublié. Bon. Où est-ce qu'elle va la balle là? Ouais, elle peut pas aller plus loin, non? Où la balle? Où la balle? Elle est là!
Con. J'ai pas vu. C'est la boulette. J'ai réussi ce que j'aurais. Avec tes... Oh. Non, mais... Et mais relance quoi un con? Franchement, j'ai fait le con là. Ma tête, je le dis, je vais pas le relancer, c'est pas grave. Je le lance. C'est mais. Un chaos pour le moment, c'est pas terrible. Oui, je vais dégager donc ça. Hop, attends.
Oui, cette histoire. Coach always uses the right player for the right job. Non, bon, quand j'ai poussé là, j'oublie tout le temps qu'il a le truc en plus. There's only one word. C'est de la chance, zut, zut, zut. Oh, mieux. Oula, sacré raid, Big Gamer, merci pour le raid. Où il y a du monde qui vient d'arriver. Salut tout le monde. Bigadine, Bigadin, Bigadine. J'avais dit la fois passée en plus. Par contre là, comment je vais faire maintenant? Bien. Merci pour les follow, merci pour les follow. Plaisir. Merci Longpipe, merci ActLD. Attendez, je termine mon tour. Parce que... oh, le timer là, il avance. Hop. Ah, je vais tout faire. Et voilà. J'ai tout joué. Voilà. Maintenant, j'ai le temps de. D'aligner tout ça. Du coup, bienvenue Sicurd, bienvenue Logpipe, bienvenue ActaFLD, bienvenue Brickit, bienvenue Vinarian. Un coucou Biganin, Biganin. Faut que tu me redises encore si c'est Biganin ou Biganin, tu m'avais dit la fois passée mais j'ai oublié. Et Snot Atomic, et merci pour tous les follow, ça fait super plaisir. Relance le petit. Règle la balle toi. Et où tu vas où là? Ouh masse. C'est la deuxième fois qu'il meurt en plus entre en match. Voir. Bigadin, voilà, mais Bigadin, voilà. Donc première idée était la bonne. On a un chien. Ça marche pas ça. C'est pas règle d'aval.
Bon, bon, bon. Mais bon, pas. Tomber. Je vais faire ça. Du coup, ouais, aïe aïe aïe, ouais, c'est pas ouf. J'étais à une petite case du TD, il a réussi à me le mettre au sol et à prendre la balle. Wow. Ah. Wow. Et qui tombe du premier dé, parce qu'après ça va être compliqué. Oh, et je reste... En plus j'ai la balle. C'est pas beau ça. Voilà. Maintenant, punching ball. Oui. Je relève tout. A good coach always uses the right player for the right job. Whoa, that player is a real wall. Get up or get off the field. Le petit dernier. On a tout joué. Voilà, c'est toute nouvelle équipe. J'ai fait deux matchs, deux premiers matchs qui étaient pas ouf parce que le premier match j'étais pas ouf et le deuxième j'étais à 300 TV de moins. C'est toute nouvelle équipe, je suis en bronze là même parce que je crois que les deux défaites. Là je recommence à zéro pour un peu bosser mes plans de jeu sur en 1 parce que c'est l'équipe que je vais jouer en vis-à-vis dans les prochains tournois. Ah, c'est pas facile, facile, c'est pas compliqué non plus, mais bon après ça dépend ce que tu tombes, sur quoi tu tombes en face. Il y a trop peu dans le, il y a trop peu de joueurs, enfin d'équipes agiles. C'est-à-dire que quand tu tombes contre du mort-vivant ou des trucs comme ça, c'est compliqué au début. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'avais 980 de TV, je crois, 900, 970, un truc comme ça, et en face 1240 en mort-vivant avec trois remplaçants, des compétences à gauche à droite. Bon, je fais bon, ça allait être compliqué. Et ça l'a été, mais même si j'aurais pu réussir à m'en sortir. Voilà, c'est ça qu'on veut. Boum. Dodo, toi. Bon, bah ça fait. On va casser la tête, je pense. J'ai vu quand même. Voilà. Bien, j'ai vu. Je vais me s'assurer. Mal de.
de rater mon coup. Allez, on y va avec lui, ça fera un point. Pas de 1 s'il vous plaît, pas de 1, c'est tout ce que je veux. Voilà. Pas souvent de marquer un TD avec Merci Red Violine pour la... le follow. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je vois que mon stream label ce n'est pas... mais... je vais l'allumer comme ça. Oh, il est allumé. Alors, défense classique, mais j'ai des gars qui sont... Alors, du coup, j'ai un gars en moins, parce que j'ai pas de remplaçant. Je vais le mettre. Oh, ouais, un petit truc. Sinon, vous jouez quoi en général, les gens, là? C'est quoi vos teams favorites? Bon, c'est clair qu'en général, je joue Nain, Skaven, Homme Lézard. En vis-à-vis, j'ai de l'Homme Lézard, du Nain, et là, je suis en train de faire de l'Elfe Sylvain. Je sais pas si on verra grand-chose sur la caméra, mais ils sont en train de bosser. C'est des belles filles qui sont vachement sympas. Je vais montrer la caméra, ça va quelque chose. Je vois pas trop les détails. Ça paraît pas ouf. Skaven, j'aime, mais je suis plutôt naze. Bah, Skaven, c'est pas évident, évident. Je débute sur le jeu, je joue Orque Noir. Ah, mince. C'est un bon choix pour démarrer. En gros, moi j'aime bien à peu près toutes les équipes. Les seules que je sais vraiment pas jouer, que j'aime pas trop parce que en fait, je trouve qu'ils font tout mais pas bien, enfin moyennement bien, bah, c'est les humains en fait. Simplement. Les humains de base, parce que par exemple les nordiques, etc., j'aime bien, mais. La noblesse impériale ici, j'arrive pas à jouer avec ça. Ouais, ils sont, je dis pas qu'ils sont pas cool, hein, c'est juste que moi, j'arrive pas, c'est pas mon genre de jeu, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. J'ai tendance à vouloir les jouer comme des nains, mais ils se font défoncer parce qu'ils se font ouvrir en deux. Quand je joue une équipe de nains, je sais que je dois anticiper parce qu'ils ont pas de mouvement, ils ont pas de... des trucs comme ça, je sais que c'est endurant et que je peux aller au contact. Je sais comment jouer. Quand je joue Skaven ou Elf Sylvain, je sais qu'il faut éviter le contact et jouer en distance pour essayer de se faire le moins souvent tabasser. Les humains, je sais pas comment les positionner là-dedans. À se rater. C'est pas mal ça. Allez, le. Peut-être. Les gens, on va lever les gens. Victime. C'est vraiment ça, je sais pas comment positionner les humains en fait dans la façon de jouer. Ils savent faire des passes, mais pas si bien que les elfes. Ils savent courir, mais pas si bien que les Skaven. Ils encaissent, mais pas si bien que les nains. Donc ils savent tout faire en fait, mais moins bien. Donc du coup, je sais pas comment faire un plan de jeu. J'ai du mal. Je vais buter d'ailleurs. D'habiter là-bas quand même pour aller mettre un peu la pression sur le. Ah. Alors, comment ça. Taper rien que je peux taper pour le moment. Ouais.
couvre au cas où. Pas toi. Pas toi, 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 toi. Ça prend. Je suis en couverture au cas où. Là. Oui, c'est ça, mais ils sont. C'est polyvalent, je dis pas le contraire, c'est vraiment polyvalent, mais. Moi, j'arrive pas à me placer dessus. Je pense que ça fait longtemps que je joue à Blood Bowl, mais. J'ai jamais eu de succès avec les nains. Bon. Il fallait bien que j'en rate un des GFI à un moment ou à l'autre. Et oui, Red Violin, je joue sur table, ouais. Ouais. Alors, Artag, avec qui était là sur le stream de Big Alain, j'ai joué avec lui il y a plus de 10 ans, je pense, à Bruxelles. Dans la ligue qu'il avait organisée. J'ai fait une grosse pause, hein, de football. 3-4 ans, je pense. Quand je suis descendu de Bruxelles, je suis descendu vers Namur, Belgique. J'ai un peu arrêté de jouer parce que voilà, l'essence des enfants, tout ça, tout ça. Je commençais vraiment à m'y mettre il y a 3 ans maintenant, un petit peu avant le Covid. Et j'ai beaucoup joué aussi à Blood Bowl, le premier au PC. Le deuxième aussi, mais un peu moins. Et le premier, j'ai des trucs, on avait fait une ligue, on était une cinquantaine de joueurs dans une communauté fermée. On faisait une ligue, on jouait au Franco Bowl aussi à côté, enfin. Beaucoup joué. Maintenant, la petite communauté, elle existe toujours. C'est du loup blanc. Mais on a un petit championnat, on est 10 dedans et ça avance quand ça avance. Quoi. Je suis plus joueur de vis-à-vis ou comme ça en ladder officiel maintenant qu'avant. De toute façon, c'était pas l'idée d'aller l'embêter, c'était juste taquiner pour la balle. Le dernier tour, donc il sera quand même rien à faire. Et... Ouh, monsieur l'arbitre. Voilà, un joueur de moins. Et pour rien en plus. C'est déjà sonné. Voilà, deuxième mi-temps. Mais sur un jeu de figues un peu dans la même veine, ça s'appelle Rumble Slam, c'est du catch fantasy. Tiens, je connais pas. Regardez, ça pourrait être sympa parce qu'on joue beaucoup à des jeux différents d'ailleurs. Ici. Même si Blood Bowl est devenu un peu le fer de lance parce que c'est facile à trimballer. Pareil à des jeux comme Vimage, Warhammer. Non. C'est bon. C'est bon. J'ai reçu la boîte, faut que je peigne le starter. Il faut regarder, tiens. Rumble Slam. Je connais pas du tout, je tiens un oeil. Rumble Slam. Ah ouais, ah, ça a l'air fun. Je check ça. C'est parti. Le jeu d'ici, ça va plus. Limitant dès qu'un joueur est sur une caste. Ok. Hop, son gros. Ah, ça a l'air sympa, ça vaut le jeu de check un coup. J'aime bien jouer à des petits jeux comme ça avec les potes. Si on est là. Peut-être quel coin reste violine.
Tout va bien. Le mur tient le coup. Dans le Finistère. Oh, c'est chouette ça. Un bon club là-bas, ça joue bien. Mais franchement, Blood Bowl a une grosse communauté un peu partout. Hein. C'est chouette, je trouve. Bon, il y a des jeux où il y a des zones où, qui sont totalement désertes. Pas toutes, hein, mais Blood Bowl, il y a quand même toujours quelque part moyen de jouer, de pousser la fique, quoi. Où qu'on aille. Moi, je suis sur le Luxembourg maintenant, mais je vais jouer pas mal du côté luxembourgeois et du côté Metz et Nancy. Il y a aussi une chouette communauté de ce côté-là. Et maintenant, j'essaie de lancer un peu les tournois toi, en Belgique aussi, pour voir. J'ai un championnat de Belgique mars. Il y a un autre. Ah, qui relance. De relance. Et ça rate. Alors, ça, c'est bien pour moi, ça. Je vais mettre directement. Il est là. On va d'abord relever les gars. Ah. Oh. Ça c'est fait. Toute pression on met sans plus. Yep. Comme ça. Non. Bon, qu'est-ce que je peux blitzer? Lui. De plus, 3 plus. On va aller là-dedans avec lui. Juste pour l'embêter, hein, ça, parce que. Après, je serai de décontre. D'abord, allez prendre la balle. Voir si ça passe. Il sera de toute façon en couverture. Et ça passe. Et ça passe. Voilà. Ouh. Félicitations. Bon, ça va, pour le moment, je suis en veine. Je bosse à mon compte, j'ai du mal à trouver du temps. Je n'ai pas joué depuis l'été dernier. Ah ouais. Pas toujours facile, hein. C'est clair. Moi aussi, j'étais indépendant il y a quelques mois. Là, j'ai arrêté. C'était une petite entreprise à présent 3D. Oui, j'étais dans le sujet. Les figurines. C'est clair que ça prend tellement de temps, tellement de choses à faire. On bosse à son propre compte. On se rend pas totalement compte en fait, à part quand on le fait, que quand. Bah, quand on bosse pour boîte ou quelque chose ou n'importe quoi, en fait, au final, quand tu rentres chez toi, bah t'es tranquille quoi. Quand t'es à ton compte, t'es occupé, tu bosses. Tu te lèves en mode travail, tu te couches en mode travail, quoi. Donc, ouais, je comprends que le manque de temps pour aller pousser la fixe, c'est pas toujours évident. Et il faut de temps en temps quand même essayer de trouver un moyen de se vider la tête, quoi. C'est pas toujours facile, hein, je dis bien.
Mais maintenant, c'est ce que je me suis dit, c'est que mon club, on essaie de se retrouver au moins une fois par mois. Enfin, c'est deux. C'est assez sympa quand même, on fait des trucs carrés et autres. Et on a une ligue football, donc là, j'essaie de prendre rendez-vous avec mes collègues pour prendre rendez-vous chez eux à un moment qui leur va et qui me va pour jouer, quoi. Il a pas l'air d'avoir très envie d'aller chercher la balle. Je vais pas m'en plaindre. Arrange. Comme ça. Et voilà, pas de chance. Franchement, les dés, ça roule de mon, il roule de mon côté. Moche pour lui, d'ailleurs. Should they be stomping on the player's neck with those studded boots that hard? The ref's not looking, so yes! Can't argue with that call, can you, Bob? C'est lui. Ah. Ah. Il barre. Oui, il va aller lui. Je pense donc. Non. Évidemment. Évidemment. Bon, c'est pas... Oui. Là, quelqu'un de mon club a lancé l'idée de Gasland, alors j'ai intérêt à acheter des autres. Ouais, Gasland, ça c'est le camp d'Arlésienne fil aussi. Moi j'aimerais bien y jouer. Parce que c'est clair que... Niveau custom, tu peux t'éclater comme un con avec ce jeu. Ça va être vachement sympa, mais j'arrive pas à trop démotiver. hop. Oh. Ah. Et... Tu me donnes envie d'essayer nain, bah c'est bien ça, c'est une bonne chose. Nain, c'est la vie. Si tu regardes mon logo de mon Twitch, c'est pas pour rien. Donc, et nain et moi, c'est une grande histoire d'amour. Non, nain, c'est très chouette. C'est juste que c'est un jeu. Il faut beaucoup d'anticipation. Et se laisser des ouvertures et toujours essayer de penser à où je puisse couvrir. Il a arrêté. Ah, c'est son tour. Bon. Laisse les gens tabasser, moi je vais pas me priver. Ah bon, pas me priver. Yes.
Du sang partout. C'est une idée. Bah disons que c'est un massacre, oui, mais c'est un carnage, mais il déroule dans ma faveur, hein. Franchement. Blood Bowl est toujours plus simple quand ça roule comme ça. Justement, pendant les matchs de Lee contre les nains, je jouais Skaven, il me restait 4 joueurs sur le terrain à la deuxième mi-temps. Un carnage. Ouais, mais ça, c'est Skaven, c'est... Moi, c'est, j'adore jouer contre Skaven, parce que ça craque facilement. Mais il y a un truc, hein, il faut juste éviter le contact à mort. Normalement, en jouant Skaven, l'idéal, c'est... Il est censé t'en taper un par tour. Parce qu'il va te blitzer. Mais le reste, il faut toujours esquiver. Tout. J'essaie de jouer le contact, même pour essayer au cas où potentiellement sur une chance il perdrait la balle et tu peux partir en contre. C'est trop dangereux. c'est des trucs qui craquent trop facilement. Je crois qu'il est fâché. Il a plus de relance donc. Contre Bourde. C'est clair que si tu joues, enfin, on joue contre Skaven, c'est qu'en général, je fais un, ça tape dur aussi, quoi. Les équipes contre quoi j'ai du mal en nain. Les morts vivants, pas difficile. C'est hyper endurant, c'est hyper... Et ça tape dur, et les deux momies, bah, elles ont quand même vachement bien. Sage, c'est bien. Les orques, c'est du coup très dur aussi. Parce que avec leur force 4 de partout au début, bah, c'est compliqué. En garde, pas vraiment tenir le contact, et ils sont aussi endurants que les nains. Ils ont plus de mobilité. Et le tacle, ils s'en fichent. Qu'est-ce qu'il y a encore qui m'embête, hein? Les hommes lézards aussi au début. C'est compliqué aussi avec tout leur force 4. Alors. Pas souvent mal. I should probably say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. All I can think of is splat. Another player on the ground, the coach will be spitting teeth about this. La balle traîne par là après. Mettre dans le paquet. Jamais. Skaven, c'est vraiment une de mes dans mes équipes préférées, quoi. Je dirais dans le top 3 fastoche. Mais ils peuvent être très frustrants à jouer. Quand ça roule, c'est génial, hein. Tu mets 3-4 TD tranquille. Quand ça marche pas, tu te retrouves avec 3-4 gars sur le terrain. Ah, il a pas de bol, hein. Ouais, franchement, c'est moche pour lui. C'est vraiment pas cool. Je fais ça sur sa première action. Ça va être. Et c'est parti, punching ball, quoi. Ah, bah tiens. Ouais.
C'est bon monde là. Et... des gens. Taper des gens. Par contre ici du coup j'ai deux GFI pour le faire pour le but. Lance mais j'ai plus grand chose. D'abord. Et donc ça c'est. Allez go. Passe. Et ça passe. Voilà. Et puis le dernier bar. Dommage. Un tour pour taper dedans et... Ça n'a pas marché. Mais si tu me facilites la vie, je veux bien, mais oh là. Oui, pour le profiter et apprendre. Je suis gourmand. J'ai plus de relance. Hein. Le truc là. Mais non. Oh, c'est pas grave, c'est une justice. Ah mince, en plus l'armure qui passe. Oh, ça va, il y a une justice, c'est bon. Ah, puis, allez. J'ai envie de le pousser, quoi. C'est triste. Ouais, c'est clair que c'était drôle celle-là. Ah ouais, c'est logique là. Oh bah ça sera pas le 3-0. C'est un peu... C'est rare le 3-0, on a... C'est très très rare. 2... La limite. Des bêtises. Pas c'est maintenant. On verra plus tard. Oh, on verra plus tard. On va d'abord tabasser. Et... Bon alors.
Every bit. Le fun. Plutôt au sol de toute façon. Ah. Et... Et maintenant, débile, hein. Hop. Os. Juste pour les ramasser la balle. Oh. En plus, ça changera rien. Un dé. Et pas. Mauvaise idée. Bien, mais tu m'excuseras, mais. Donne de la. De... XP hein. De toute façon on va arrêter. Pas se 3-0 alors. Voilà. C'était pas mal. Et ben 3-0 c'est un résultat très inattendu mais tant mieux. Bien. Du coup, si t'as envie de jouer, non, faut pas hésiter, c'est chouette, non. Non, c'est la vie. Niveau statistique, pas mal, ça. Ça a piqué. Match. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien ça. ça fait un paquet d'XP ça. 19 sur un match, on va pas s'en plaindre. C'est très très bien. J'ai un mort, mais pas grave. C'est très. Je suis passé argent. Alors, ici, je joue pas avec un roster le plus facile, on va dire. Là, j'ai mon roster, moi, je vais te montrer. Tiens. Bon, ici, je vais recruter mon coureur qui est mort pour la deuxième fois d'affilée. J'ai pas assez. Bon, ben, bah, pour le prochain match. Un jour, là. Les deux écoles. Les deux écoles. Soit tu joues avec trois relances. Et là, tu joues avec un coureur et un tueur. Ça te fait ça. Bon, les deux bits parce que ça c'est vital. Et là, normalement, t'as assez pour 3 relances. Voilà. Là, ça te fait 980. Ça, c'est une école. L'équipe que j'ai là, elle est plus difficile à démarrer. Mais tu gagnes... Enfin...
je teste. Ça, c'est, franchement, ça, c'est la méthode que j'utilise d'habitude. Et après, dès que j'ai un peu de thunes, je prends un deuxième tueur. Et puis un deuxième coureur. Et là, l'équipe que je suis en train de tester là, elle est comme ça. Là, comme ça, voilà. J'ai 951, j'ai deux relances et. Là et là. Voilà, les deux coureurs, deux tueurs, deux blitzers. Ici, 5 bloqueurs, du coup, et seulement 2 relances. Ça, c'est l'autre école. Voilà. C'est, en gros, c'est ça, quoi. Les 2 relances, faut savoir les gérer. 3, c'est toujours. En général, c'est ce que les gens ont. C'est un peu casse-pied parce que, de toute façon, après, il faudra quand même. Moi, j'en prendrai quand même une troisième à un moment ou à un autre. Mais ça donne un petit peu de force de frappe au début avec les deux tueurs et le coureur. Et le fait qu'eux, ils évoluent plus vite. Parce qu'ils sont là dès le début, en fait, les deux tueurs, bah, ça permet de monter plus vite en TV dans les ligues. Mais le début est plus compliqué. Voilà. Maintenant, si c'est pour jouer tranquille, et franchement, ça marche aussi très bien sur le long terme. Hein, l'autre méthode fonctionne très très bien. Hein. Cette méthode-là, elle fonctionne aussi très très bien sur le long terme. C'est juste que j'avais une fois essayé un autre roster pour voir. Mais c'est, normalement, c'est celui-là que je joue d'habitude. En général. Parce que là, j'essaie d'autres choses, quoi. Et après, la formation, les formations, bah, ici, je les ai prises déjà. Ah oui, c'est pas ça. Niveau formation, il y en a 2-3 à connaître. Enfin, jouer cas par cas au début. Mettre parce que je savais que j'ai. Oui, mais il est mort, l'autre. Ah, ici, il y a le deuxième corps, il est là. Ça c'est, ça, c'est quand t'as une ligne en face qui est pas. Donc, quand t'es en attaque, hein, donc ici, c'est quand t'as une ligne en face qui peut potentiellement peut tabasser. Ça te permet, toi, de te faire mal aussi, parce que t'as des deux tueurs qui sont dans la losse, ici, dès le départ, peuvent taper aussi. Le reste, ce sont des linemen, les deux hitters ici et les deux coureurs à l'arrière. Une fois que la balle, elle arrive toujours à peu près ici, donc quelque part. Bah hop, tu repasses ici, pof, t'es dans une cage, j'étais vraiment bien protégé de partout. Il a un truc un peu plus classique, quand c'est un peu moins punchy là, que ça peut potentiellement courir, il y a deux coureurs, t'as un coureur là, un autre, un deuxième ici, et pareil, tu prends la balle et tu vas te mettre là, et tu peux couvrir et faire une cage assez facilement. Quoi. Et ça bloque ici, c'est compliqué, il faut vraiment qu'ils arrivent déjà de blitzer ça, pour, enfin t'ouvrir un petit peu pour voir passer. C'est des trucs classiques. Et en défense, là j'ai trois systèmes, ben celle que j'ai utilisée là maintenant, ici avec un deuxième en plus. Ça permet toujours de couvrir à peu près tout. Les deux tueurs qui sont sur le côté, ben ils peuvent passer un peu partout. En fait, même supposons qu'il y a quelque chose qui passe, hop, ils peuvent revenir ici, ils peuvent complètement écraser le milieu. Et si potentiellement il y a un gars qui traîne dans le coin ici, sur le flanc, ces deux-là peuvent potentiellement les mettre dehors, rien qu'en les poussant. Jamais perdu. Ça c'est la grosse ligne de défense, ça c'est jamais vraiment des gars qui sont force 3 en face. Ça marche plutôt bien ça. Ici avec un deuxième coureur ici. Plutôt bien parce qu'ils ont du mal à gérer toutes ces lignes là et du coup après bah ils arrivent ici mais on peut les écraser directement. Et puis bah, la défense lourde, ici pareil, si jamais ils blastent ces 3 gars là, ils reculent d'une case et après il y a 5 gars qui ripostent derrière quoi. Ça c'est celle qui marche plutôt bien aussi quoi. Et ça, c'est les deux tueurs en plus. Ils réfléchissent 2 fois en général avant de suivre ici. Donc, c'est chaud parce que derrière, ils prennent les attaques des tueurs. Voilà, j'espère avoir pu t'aider un petit peu à ce niveau-là. C'est des trucs qui fonctionnent plutôt bien, ça. Voilà, voilà. On va aller voir ce que j'ai chopé comme récompense. Un autre. Et couleur. Okay.
Bon vivant, bon vivant, bon vivant, où est-ce qu'il est? C'est pour qui que j'avais chopé les trucs là? Alors, je pense. Non. Oh. Ah ouais, c'est de l'autre côté. Ça, c'est mon autre équipe de ladder que je joue pour le moment. Voilà mes trois équipes, bah, les équipes que je joue. Celle-là, elle s'est fait exploser par contre. Ah, elle est morte, celle-là. Je la vire d'ailleurs. J'ai perdu 3 gars, je crois. 3 morts. Celle-là, j'ai abandonné. C'est pour ça que j'ai lancé le deuxième. C'est pour ça que je dis au début, c'est pas toujours évident. Hein. On va avoir un contre-coup et ça rate. Mais quand ça passe, bah ça fait plus, ça fait des dégâts quoi. Ici, c'est mon vie, enfin maison bizarre, mais j'ai pas encore joué. Là, c'est mon équipe en vivante. Quoi. Je joue que j'ai joué depuis le début de la saison. Non, j'en joue vraiment deux. Vraiment. Mais ici, en fait, à la base, je jouais mon vivant. Mais comme j'ai décidé de faire ma saison, enfin les tournois que j'allais jouer en vis-à-vis en 1, je dis bah, peut-être travailler un petit peu les nains, même si c'est l'équipe que je préfère. C'est comme je joue un peu tout, pas plus fort spécialement en 1 qu'autre chose. Je me dis, je vais bosser un peu les nains quelques temps, peut-être continuer cette saison-ci avec ça. Ça permet d'avoir des automatismes, simplement. Les automatismes, c'est bien dans Blood Bowl. Et quand la fatigue s'installe, c'est bien de ne pas réfléchir. Voilà, voilà. Bon, je crois que je vais en rester là pour ce soir, moi, en tout cas. Idée de voir ce que je peux faire. Putain, il fait sur Twitch. Il y a Locke Regan qui diffuse, je vais peut-être en... Alors, je pense que je vais en rester là, je vais envoyer un raid chez Locke Regan. Toujours ça de prix pour lui. Ouais, non, mais vraiment pas de soucis. De rien pour l'explication. Avec plaisir. Et si jamais tu veux venir en discuter sur le Discord, n'hésite pas. Il y aura le lien qui t'a traîné quelque part dans ma description. On joue un peu à tout. On joue pas que à 10 trucs, mais il y a une petite communauté qui joue un peu à des jeux de rôle aussi. Moitié jeu vidéo, moitié jeu de rôle en ligne. Où est-ce qu'on fait? Red. Je n'ai jamais fait ça, tiens. Red. Bon, allez, moi je vais vous laisser les gens. Je vais vous envoyer chez un autre Blood Bowleux. J'ai pu croiser il n'y a pas longtemps. Donc on va envoyer ça là-bas. Je vais vous accompagner sur le raid. Donc. Mais sinon, pour tous les autres, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Le match sera diffusé d'ailleurs sur YouTube en replay. Ciao. Thank you.